Oh tiens, voilà quelqu'un. Petit ours. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours. Alors salut à tous et à toutes, c'est N602 les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'avais déjà fait une vidéo comme ça auparavant, donc c'était il y a à peu près deux ans et quelques. C'était pour présenter mon serveur de rencontre. Donc il a chuté pour... Il a pas chuté parce qu'il a flop, non, loin de là, c'est juste que j'avais beaucoup trop de projets. Du coup j'ai dû le fermer, mais maintenant, donc je me suis revenu on va dire avec mes acolytes, donc Crozer et Ragon, pour vous présenter un nouveau serveur, donc qui s'appelle Speakhouse. Donc comme vous pouvez le voir avec une petite bouche pour dire qu'on vous fait des bisous. Oula. Bon, bref, du coup je suis en vocal avec Eragon du coup, donc on t'écoute Eragon, présente-nous le serveur du coup. Ok, alors bonjour à toutes et à tous, du coup moi c'est Eragon, je vais vous présenter un peu mon serveur de repos. Du coup après tu vois, on peut choisir tous nos rôles, que ce soit homme, femme, tu peux aussi choisir ce que tu veux dans le serveur, que ce soit rencontre ou amitié, puisque tu vois, c'est pas forcément de l'amour, tu vois, qui est dans le serveur. Ouais, voilà. Après voilà, c'est un serveur assez chill. Ouais, c'est un serveur assez chill avec du monde en VOC. Mmh. On est surtout actif en VOC. On essaie d'être aussi un maximum actif dans le chat. Et toujours un staff à l'écoute et voilà. Ok, donc de ce que tu nous dis, ça a l'air d'être un serveur assez cool. Donc comme on voit déjà les salons, moi de ce que je peux en dire, c'est super. Je trouve que c'est super stylé, c'est accueillant, c'est bien lisible, donc on arrive bien à déceler les salons du coup. Après les rôles, moi je trouve que les rôles sont bien. Donc après si il y a des rôles que vous voulez ajouter, vous pouvez faire une demande au staff pour que le staff les ajoute. Il n'y a pas de souci pour ça. Les boosts, on est niveau 3 donc c'est parfait. On a la bannière, on a pas mal de choses, voilà. Donc le règlement, surtout n'hésitez pas à le lire et dès que vous avez lu, le cocher. Faites pas comme moi qui l'a lu mais qui a oublié de cocher. Donc ici on a les giveaways, donc il y a pas mal de giveaways comme on peut le voir. En 2 jours il y a déjà eu 3 giveaways, donc on peut gagner 2 comptes Crunchyroll. Donc qui se termine dans 2 jours, bon allez je participe même si j'ai déjà Crunchyroll, bon je le ferai gagner, je vous ferai gagner si je le gagne. On a un jeu offert, donc j'ai parlé au Fonda, il m'a dit comme quoi c'était un jeu à 40-50€ qu'ils avaient donné. Il m'avait donné le nom du jeu, c'est un jeu connu, c'est un jeu très très connu, mais je ne sais plus ce que c'est, voilà. Et ils font gagner aussi un Discord Nitro, donc ça aussi vu que j'ai déjà le Nitro, je vous le ferai gagner, ça c'est sûr. Bon bien sûr il y a toujours des conditions, donc inviter 3 personnes. Donc les gars, si vous rejoignez et vous voulez faire le giveaway, n'hésitez pas à inviter les 3 personnes pour être éligible au concours. Donc les rôles on a déjà vu, les boosts, il y a un message personnalisé, un embed, bon ça rajoute un petit flow. Et au moins ça remercie vraiment les personnes qui ont boost. Donc les partenariats, si vous êtes intéressé pour faire des partenariats, normalement il y a un salon ticket où vous pouvez demander vos partenariats, y a pas de souci. Dans notre serveur, il y a la pub du serveur. Elle est un peu petite, elle est un peu rikiki, je pense qu'ils vont la retravailler. Je sais pas du tout. Ouais, mais après tu vois là, on a ouvert hier, donc en soit c'est encore tout nouveau, mais je pense qu'on va retravailler ça. Regardez, dites-vous, j'ai dit hey, à 13h49, à 13h49, il y en a 2 qui m'ont répondu. C'est la preuve, les gars, que je vous ai dit que le serveur était actif. En vocal, là, ils sont combien? Ils sont 2, 4, 8, 8, 10, 10. On est 10 en vocal pour un petit 13h52. Je trouve que c'est pas mal pour un serveur aussi qui a ouvert hier. C'est vraiment pas mal. Donc, le salon média, où vous pouvez envoyer vos petites photos, par exemple, de vos scores, sur les jeux. Selfie, c'est pour mettre votre petite tête. Voilà. Donc, là, on peut mettre, par exemple, les mêmes que vous trouvez drôles, stylés ou qui... Ouais, vaut même quoi. Donc là c'est les commandes pour interagir avec les bots, pour ne pas polluer le chat du coup. Il y a le règlement Moodae. Donc Moodae c'est quoi, Eragon? Alors Moodae c'est un petit jeu, enfin c'est un petit bot du coup pour jouer un peu sur le serveur, gagner de nouveaux personnages, faire des compétitions entre nous, entre nos potes, etc. Franchement ça peut être très intéressant et je trouve ça grave cool. Ok, c'est-à-dire que je vais tester parce que je ne connaissais... Ah, ok, en fait, tu fais une commande et après, t'as des petites vignettes avec des personnages d'animé. Par exemple, là, j'ai la dame dans Black Clover. Voilà, Sœur Lily. Donc après, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de vocales, donc je vais essayer de justement faire ma première demande au staff. Rajouter des vocales, s'il vous plaît, parce que du coup, on est obligé de se mettre dans le salon des bots musique, c'est un peu chiant. Donc si on peut rajouter des vocales, ce serait cool. Staff, parce que je suis staff, du coup. Ah non, pas du tout. Si, non. Ah non, je suis pas staff, non. Si, je suis staff. Non.
Non mais vous inquiétez pas, ça va arriver, je vous inquiétez pas. Normalement, ce soir il y a ma code nature, donc ne vous inquiétez pas, ce soir je suis staff. Bon, c'est du coup, ça. On va dire que cette catégorie, vous la veillez pas. Et la catégorie staff, c'est si vous avez besoin de faire un ticket, comme je vous ai dit, pour, par exemple, faire une demande, pour vous plaindre d'une personne. Voilà. Ou de nouvelles suggestions pour améliorer le serveur. Franchement, les tickets sont faits pour ça. Toujours un staff actif pour les ouvrir et y répondre. Et voilà. Donc, veuillez aussi excuser la qualité de son micro. C'est qu'il est sur mobile. Donc, c'est... Ça va être audible, oui, j'en suis sûr, ça va être audible. Mais des fois, on pourra entendre un peu de réverbération contre les murs. Je sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu une fois, mais bon. Donc après, ici on a le système de warn. Donc par exemple, il faut une commande pour warn une personne, et je crois c'est à combien de warn que t'as une sanction? C'est à partir de 3 warn. Ok, 3 warn. Et c'est quoi? C'est le ban, c'est le mute, c'est... 3 warn c'est mute et 4 warn c'est ban. Ok. Bah maintenant vous êtes prévenus. Faites pas les méchants. Voilà. Blâme. Donc ça c'est pour si vous avez un problème contre un staff, vous pouvez le blâmer. Et c'est ça. Hein, Ouais c'est ça. Ok. J'ai eu peur. Et après vous avez un petit formulaire pour devenir un staff. Il y a pas mal de questions, mais après c'est assez simple. C'est assez simple. Et juste en dessous, bah du coup il y a la VOC pour les réunions staff. Mais bon, nous on n'y a pas accès, étant donné qu'on n'est pas encore staff. Donc si vous avez envie de rencontrer la perle rare, trouver l'amour sur Discord, ou peut-être simplement vous faire des amis, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, il sera en description. Vous pouvez le bump aussi chaque 2 heures. Vous tapez la petite commande point d'exclamation debump pour soutenir le serveur. Vous pouvez également le boost, même si on est déjà au 15 boost, donc bon, ça sert à rien. Merci à toi Eragon d'avoir participé à cette vidéo en moins de 10 minutes, du coup c'était un one shot. Donc bravo à toi. Merci à toi pour la vidéo, frérot. Y'a pas de soucis, je suis là pour ça. Allez, merci à vous, bonne vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre. Que des bisous dans la bouche. Et allez, je vous laisse.